son. C'est ça que les gens arrivent. Bon, on va commencer. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salli wa sallim wa barik ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. On a légèrement avancé le live, mais de toute façon, inshallah, ce qui va se passer, c'est que les gens, ce sera enregistré, puis les gens pourront le regarder. Et après, lorsqu'une problématique va se poser, la chose sera enregistrée, il pourra être possible de présenter cela pour répondre aux soucis des gens. On va, entre autres, renvoyer à des sources qu'on ne va pas forcément lire, même qu'on ne va pas lire du tout. On va les évoquer, on va renvoyer à elles, les gens pourront consulter et voir qu'effectivement ce qui est dit ici est authentique. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Le sujet, le mawdou, c'est un sujet qui a trait au tasawwuf. Tasawwuf, pour faire rapidement, on va pas trop discuter de l'orthodoxie du tasawwuf, qui est une science parmi les sciences de l'islam, la science de la purification de l'ego et de ce qui est en relation à cela, c'est-à-dire des fruits de cette purification. Alhamdulillah, inshallah. Et donc, cette science-là, qui fait partie des sciences strictement orthodoxes de l'islam, on insiste sur le strictement orthodoxe, c'est-à-dire que moi, en tout cas, j'en viens à un point où certaines formes de remise en question de cette science, et on va évoquer ça aujourd'hui, pour moi, relèvent quasiment de la bida'a, parce que on ne l'a pas fait pendant X siècle, et dans le cas où les gens l'ont fait, en général, ils ont fait tourba. Donc, ilm al-tasawwuf a une place dans notre religion, car elle a trait à la notion de talqin, d'initiation, du fait d'être introduit, d'être amené à adorer Allah Ta'ala avec son cœur et non pas avec son corps. Évidemment, on a tous le hadith d'Ibril en tête. Ta'budu Allah kama kuntara. Wa in lam yakun tarahu. Wa in lam takun tarahu. Si tu ne le vois pas, si tu n'es pas, il lam takun tarahu, tu le vois. Donc en fait, c'est la notion de ibada, c'est toute la science, et on avait expliqué ça la semaine dernière. C'est la science qui va nous permettre de distinguer notre manière d'adorer Allah Ta'ala comme il se doit à travers des actes
non pas des membres, mais du cœur. Et c'est pour ça que, en règle générale, dans beaucoup de koutoub de tasawuf, la question de la tawba est extrêmement importante et est mise en avant. C'est-à-dire que c'est la première étape. Ce qui se passe aujourd'hui, après ce qu'on a pu évoquer encore la semaine dernière du fait de Nahda, du militantisme islamique qui a été quasiment une forme de matérialisme et qui a incité les gens à se détourner de ce qui est spirituel dans la religion, ce qui a trait au tasawuf est devenu de plus en plus obscur, de plus en plus méconnu, de moins en moins maîtrisé par les gens. En particulier, deux notions qu'on va aborder. C'est deux leçons qui sont le sujet de ce live. Le premier, c'est Al-Bay'a. Le deuxième, c'est Al-Tariqa. En fait, même la notion de Tariqa est en relation avec la notion de Bay'a. Ces deux notions qui sont intrinsèquement liées, on ne peut pas en séparer l'une de l'autre. Parce quelle que soit la manière dont on aborde, dont on essaie de présenter les choses, on va retourner en fait à ces notions-là. Et il s'avère qu'aujourd'hui, certaines personnes tendent à mettre en avant un avis qui est, je dirais, un avis réformiste. Et Allah sait que lorsqu'on j'utilise le terme réformiste, c'est très péjoratif. Un avis réformiste qui dirait que tasawuf, tariqa, c'est pas nécessaire. Ce qu'on va tenter de présenter ici, c'est qu'à travers l'histoire de notre communauté, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de cette science qui est le tasawuf au sein de notre communauté, c'est une possibilité qui n'est pas acceptée dans la charia. Et je précise bien, dans la charia. On va donc présenter ça d'un point de vue historique, pour ne pas dire épistémologique même, étude en fait de la connaissance et étude des sciences. Et on va devoir pour cela introduire quelque chose qui est le fait que, en fonction des sciences qui sont, du moins, en fonction du savant et de la position dans laquelle il parle, c'est-à-dire la science dont il va traiter, à partir de laquelle il va traiter, comment il va utiliser les textes du Coran et de la Sunna. Ça, c'est une notion qui est très, très, très importante à comprendre. Pourquoi? Parce que, dans le cadre d'une polémique qui a pu avoir, comme il y en a souvent sur les réseaux sociaux, des gens se sont offusqués de l'utilisation d'un hadith dans le cadre du tasawuf en disant non, non, on ne peut pas l'utiliser, c'est pas possible, ça ne concerne pas ce domaine-là. Sur la base de quoi? Il n'y a pas de limitation des textes du Coran et de la Sunna dans une science donnée s'il n'y a pas quelque chose qui nous permet de le limiter. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ici justement c'est le hadith en question, il dit que celui qui meurt sans bay'a mort d'une mort de la jahiliya, certains disent ça se limite à la question de la bay'a d'un point de vue politique. D'accord, pas de souci. Si on suppose ce que vous dites, c'est-à-dire que tout le monde à l'heure actuelle mort d'une mort de la jahiliya, parce que les gens ne font pas de bay'a, à part peut-être dans certaines. Peut-être, on va prendre, je sais pas moi, en Arabie Saoudite avec les Saouds, peut-être avec le Royaume du Maroc ou des choses comme ça. Ce qui est extrêmement problématique. Mort de la jahiliya, c'est-à-dire que tu meurs kéfir quasiment. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui disent ça, et c'est là où est-ce que la chose est paradoxale, c'est qu'ils acceptent pas l'idée qu'on dise, mais si tu meurs sur une bay'a soufi, tu meurs d'une mort de la jahiliya. Non, regarde, si tu n'as pas une bay'a dans une tariqa, c'est comme si tu meurs kafir. Oui, mais tu nous dis que ça se limite en fait au khalif. Mais il n'y a plus de khalif. Donc au final, tu veux limiter le sens d'un khalif parce que ça te pose un problème
que la finalité du propos, mais la finalité du propos, elle reste. Au final, il y a bien une mort de la djellia pour chacun d'entre nous, au final, puisqu'il n'y a pas de bay'a. Non, il faut bien comprendre une chose, c'est que un faqih va prendre un texte, des fois quelque chose qui a strictement rien à voir, et va pouvoir statuer à partir de lui. Toi, tu ne le vois pas, tu ne comprends pas, parce qu'en fait, c'est pas ton domaine. Mais lui, il a vu quelque chose que tu n'as pas vu. C'est son domaine. Le fait est donc qu'il a vu un statut légal, là où toi, tu n'as pas vu un. Notamment, un exemple concret. Exemple. Dans le madhhab maliki, la vie mashhour, c'est qu'il est haram de raser la barbe, la moustache. Le dalil, si vous allez chercher auprès de nos fuqaha, c'est en fait un récit où il est rapporté que Sayyidina Omar, on lui a raconté une anecdote, et il était en train de jouer en fait avec sa moustache. L'imam Malik a statué à partir de ça qu'il est haram de la couper. En interprétant l'autre hadith, en disant que qu'il s'agit de tailler et non pas de raf ou pas de la retirer. À la base, le texte qui nous est rapporté, où Omar ibn Khattab a une moustache, ne concerne pas ce statut, cette question-là. De la même manière que l'imam Malik a pu déterminer qu'il est permis de vendre un objet en le décrivant, à partir du récit de Sourate Al-Baqarah, où les Yahoud polémiquer et demander des détails, des descriptions précises de la vache qu'on leur demandait de sacrifier. Parce qu'en fait, dans le récit, ce qu'il faut savoir, c'est on le sait par les tafsirs, qu'en fait, ils ont dû acheter la vache. Donc, en fonction d'une science donnée, en fonction d'une science donnée, on va interpréter le Coran et la Sunna. Et c'est pareil, en Nahou, ils vont réussir à trouver des statuts dans le cadre de la science du Nahou, à partir du Coran et la Sunna. Ça, c'est permis de le dire parce que, regardez, c'est dans tel ayat du Coran. Ou ça, c'est permis de le dire, etc. Et donc, et des fois, ils vont interpréter, ils vont expliquer. Il faut voir les divergences en Nahou. C'est pareil, c'est des choses qui sont assez subtiles. Pareil, il y en a qui vont réussir à déterminer à partir d'un hadith, qu'il y a le cas de mémoire, si je me trompe pas, c'est. Est-ce que c'est l'imam Bouhassan al-Ash'ari, si je me trompe pas, qui, à partir du hadith sur la. Un compagnon qui se plaignait du fait qu'il avait, je crois que c'était sur le cas de la pandémie, si je ne me trompe pas. Il a réussi à sortir un argument rationnel du tasalsul, c'est-à-dire qu'il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné un argument rationnel contre le tasalsul. À partir d'un hadith qui n'a strictement rien à voir. C'est quelqu'un qui se plaignait sur son troupeau, soit par rapport à la gale, soit par rapport au fait qu'il y avait un petit qui était né, qui était pas. Non, ouais, c'est par rapport à la gale, le fait qu'il y avait la gale dans son troupeau, en fait, de chameaux. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais qui est à l'origine de la gale, de la maladie? Donc, faut comprendre qu'en fonction du domaine scientifique, et la façon de l'aborder, on va pouvoir extraire des statuts. Ouais, le cas du premier malade, effectivement. C'est-à-dire que la façon d'utiliser les textes n'est pas la même pour un faqih, n'est pas la même pour un mutakallim, n'est pas la même pour un nahwi, etc., etc. Sur la base de quoi se permet-on d'empêcher les soufis, donc les savants de la science du tasawuf, de faire la même chose avec les versets, les ayats du Coran et les hadiths? Il n'y a rien qui le permet. C'est quoi le dalil? Donnez-nous un dalil dans la charia qui permet de leur priver, les empêcher, ne pas leur donner le droit d'interpréter le Coran et la Sunna d'une façon qui permet à l'individu d'aborder la science du tasawuf de manière claire. Quel est le dalil? Donnez-nous-le. On le veut. Donnez-le-nous. On veut ce dalil-là.
Parce que jusqu'à aujourd'hui, les ulémas n'ont jamais fait ça. Quand vous prenez Nawawi dans son charh du Sahih Muslim, et que sur une question donnée, sur le, par exemple sur les hadiths qui parlent d'Al-Khidr, et qui vient, qui dit, la majorité des ulémas disent qu'il est vivant. Et il y a ijma' chez les soufis. Ijma' chez les soufis. Le terme ijma', on l'utilise en fait pour une catégorie de savants. L'ijma', la notion d'ijma' est prise en considération, on n'est utilisé que pour, dans le cadre d'une science donnée, de ulema donnée en fait dans un domaine donné. On ne parle pas d'ijma' chez les awam, ça n'a aucun sens. Parle d'ijma' pour les soufis. C'est clair. Il y a vraiment une notion ici de les soufis sont une catégorie de ulema dont l'avis est pris en considération dans ce qui a trait à notre religion, que ça soit en aqida, que ça soit en fiqh, et bien sûr leur domaine de prédilection est en tasawuf. Pourquoi j'ai en aqida? Parce qu'en fait ce sont les muhakkikoun. Vous allez lire Razi. Allez lire Razi. Et quand vous allez lire l'imam Razi dans son bayan sur les asma ou sifat, qu'est-ce que vous constatez? C'est que une fois qu'il a présenté les 99 noms d'Allah, dans chaque cas où il présente un nom d'Allah, il conclut avec les explications que donnent les soufis. Quand il explique le nom Al-Haq, il explique pourquoi est-ce que les soufis utilisent plus ce nom que les autres. Parce qu'il dit que leur domaine, la science qu'ils abordent, la manière d'aborder la question, la manière d'aborder Allah Ta'ala, les amène à utiliser plus ce nom que les mutakallim qui vont dire Al-Bari. Donc clairement, c'est très très important ici, vraiment, de saisir cette chose-là. Chaque communauté de savants aborde le Coran et la Sunna comme il convient par rapport à leur domaine scientifique donné. Et là, on aborde ici le tasawuf avec une certaine vision, un domaine scientifique, et sachant que chaque chose va être argumentée par le biais du Coran et la Sunna. Et il convient de rappeler que dans le cadre du tasawuf, tout ce qui est autre que tasawuf est un ilm ala, est une science-outil, est une science qui sert pour cette science-là. C'est parce que le tasawuf est la science raya, la science recherchée pour elle-même par excellence. Parce que c'est la science qui donne à l'individu une adoration réelle, une vraie ibada. Parce que la ibada est au niveau du cœur. Ce n'est pas que les membres. On ne dit pas qu'il ne faut pas apprendre le fiqh pour pratiquer correctement. Ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que pour avoir une vraie adoration, une vraie proximité, une vraie qurba, comme on dit dans les kutub de fiqh, un vrai acte qui permet de se rapprocher d'Allah, il faut que la personne adore Allah avec son cœur. C'est pour ça que dans les kutub de fiqh, on parle de prosternation par le cœur. C'est très très important, mais vraiment très 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 important de comprendre cette notion-là. Donc quand les soufis disent que celui qui meurt d'une bay'a, sans bay'a, meurt d'une mort de la jahiliya, voilà comme ça. Faut bien comprendre ici qu'il est question du fait de mourir avec dans son cœur une forme d'ignorance qui est non seulement l'ignorance d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire que on n'a pas la vraie connaissance d'Allah, on a une connaissance plus ou moins rationnelle qui n'est pas semblable à la Ayn al-Yaqin, le fait d'avoir vu, ou le fait d'avoir Haqq al-Yaqin, le fait d'avoir ressenti, d'avoir vécu concrètement, qui n'est pas du même domaine. Qui est une mort avec de l'orgueil dans son cœur. Donc il faut bien comprendre là où veulent en venir les mashayikh quand ils utilisent ce hadith et quand ils l'utilisent de cette manière-là. Certains s'en offusquent. On dit, ouais, mais ça veut dire que je meurs kafir. Ouais, mais il y a des soufis qui disent qu'on n'a pas le vrai iman. Oui,
Ça te pose problème. Je comprends que ça te fasse mal à ton cœur. En fait, ça te fait mal à ton ego. Parce que tu te dis, moi, je pense que je suis arrivé à tel maqam. T'es arrivé nulle part. Et ça fait mal. C'est désagréable de se dire, mais en fait, je suis un caca, en fait. Je crois que je suis un ibad, ouais, d'accord, je suis dans la ibada, mais niveau de mon qalb, en fait, il y a un problème. Et cette chose-là, le fait que la personne sente ça, ce sentiment désagréable lorsqu'il est confronté au ilm tasawuf, d'une manière ou d'une, que ce soit par le biais de disciples qui s'expriment mal, qui ne savent pas dire les choses correctement, ou de quelqu'un qui est plutôt instruit et qui sait l'expliquer, ça fera toujours mal. Ça sera toujours désagréable de se dire, attends, ouais, mais là, je me suis assis, et encore, je prends le cas de personnes qui ont étudié. Je parle pas de ceux qui n'ont pas étudié, sont encore plus orgueilleux. Mais je suis là, j'ai étudié Jahur Tawhid, j'ai étudié Sanusi al-Sughra, j'ai étudié Al-Kubran, et comment ça, il me dit que je connais pas l'Iman, c'est pas possible. Si, c'est possible. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa manière de transmettre le Tawhid, il faut dire la vérité, c'était pas la façon des mutakallim. Désolé. Excusez-nous. C'était une manière de transmettre l'adoration qui n'était pas du même ordre. On n'était pas dans le. C'était pas le même champ d'activité. Ça n'a rien à voir. C'était comme un père qui apprend à son enfant à aimer une équipe de foot. Excusez-moi pour la comparaison, mais comprendre, c'est apprendre à aimer quelque chose. C'était prendre quelqu'un par la main et le ramener dans. Il y a une talqin, il y a une transmission, il y a de cœur à cœur, il y avait quelque chose d'autre. C'est pas que intellectuel. Le miracle du Coran, c'est que c'est une manière de s'exprimer qui, lorsque les Arabes l'entendaient, ça les prenait là, ils se disaient, mais ça, c'est pas humain. Un humain ne parle pas comme ça. Un homme ne dit pas ce qui est dit. Ce texte-là, cette poésie-là, c'est pas un humain. Lorsque les gens qui là, on vit dans une société occidentale, regardez l'effet qu'ont les sons sur vous, la musique sur vous. Parce que les gens qui vont me dire, ouais, vous avez tous écouté de la musique, arrêtez votre cinéma. Regardez la sensation que ça fait, ça génère en vous. Ben, le Coran, c'était ça multiplié par 30 000. Eh bien, cette sensation-là, les Arabes arrivaient à sentir qu'un humain ne pouvait pas générer, ne pouvait pas exprimer avec des mots quelque chose qui fasse un tel effet à l'individu. C'est-à-dire que il n'y avait pas besoin de faire une argumentation rationnelle à quelqu'un. Tu récitais le Coran, l'arabe il disait un. Hein? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Des exemples comme ça, il y en a plein. Tel poète qui vient qui dit, mais vous me dites qu'il a des paroles bizarres. Bon, je vais écouter moi-même parce que j'ai mon cerveau chez écouter quand même. Il va écouter. Mais c'est pas humain ça, ça c'est divin. Ça vient, j'y crois. Le haq, sabit, l'ithbat, il est dans le cœur tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi qui faisait ça? Aujourd'hui, à l'heure où on parle, qui fait cet effet-là aux gens? Un mutakallim qui parle à la télé? Là? Les exemples de Habib Omar ou bien de Charles Islam Ibrahim Anias qui marchent comme ça dans la rue, quelqu'un les arrête ou un aéroport. Je veux être comme vous! Qu'est-ce qui a frappé ces gens? Donc c'est vraiment cette chose-là qu'il y a dans le tasawuf. Et donc, oui, ça fait mal, ça heurte le cœur des gens de se dire, mais je n'en suis pas là par rapport à ma religion. C'est désagréable. Ça s'entend. Mais en arriver à rabaisser, critiquer, insulter, traiter de je ne sais pas quel nom, les gens qui vous disent, mais Nour al-Iman, c'est pas ça? Quand on dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ton oreille, ça fait quoi? Dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Quelle est la sensation que
On te dit, bon, on s'arrête, une fois dans l'année, on parle que de lui. Bida, bida, non, mais peut-être que je suis prudent, on ne sait pas, il y a divergence. Mais on te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu te lèves, il n'y a que de l'amour qui déborde de toi, on te dit, on parle de lui. Viens, on en parle toute l'année. Donc, il y a vraiment une remise en question à voir. Et donc, les soufis, non seulement utilisent les versets d'une manière qui est spécifique à eux, qui vont tirer des ahkam, donc des statuts, des choses qui vont leur permettre de statuer d'un point de vue de tasawuf, d'une part, mais ça va même plus loin que ça. Ils vont arriver à te dire que lorsque tel faqih a donné tel avis, c'est telle réalité spirituelle qu'il était en train d'exprimer. Parce que les premiers fuqaha étaient des awliya. Donc, lorsqu'il statuait quelque chose, la manière de statuer sur la chose était vue selon deux angles. Vous allez me dire, qu'est-ce que je raconte? Ben, c'est pas compliqué. L'imam Malik, il disait, lorsque quelqu'un donne une fatwa, il doit voir la mort en face de lui, l'enfer à gauche et le paradis à sa droite. Si on est littéral, parce qu'il y en a qui veulent être littéral, il n'y a pas de problème. L'imam Malik est en train de dire, tu dois voir ça. Donc, c'est-à-dire que tu as un cache, normalement, quand ça, tu donnes la fatwa, tu dois avoir au minimum des mukashafa. Selon littéral. Mais là, les gens vont vouloir interpréter. Pourquoi vous voulez interpréter maintenant? Quand l'imam Malik radiallahu dit à l'imam Shafi'i qui vient en face de lui, il y a une lumière en toi, ne l'éteins pas avec les péchés. Pourquoi est-ce que vous voulez interpréter? Il n'y a pas de raison d'interpréter à ce moment-là. Soyons littéral aussi. Donc, on peut très bien, c'est même pas très bien, on peut affirmer que quand l'imam Malik radiallahu donnait des fatawas, c'était des fatawas qui allaient bien au-delà, justement, de la somme fatwa, comme dit un faqih qui donne, ouais, avec. Oui, il y a le côté intellectuel, mais aussi le nour qu'il y a en lui, le fait qu'il est dans la proximité divine, le fait qu'il avait un tel adab vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'osait pas monter sur un cheval sur la terre de Médine. Je pense que l'un des meilleurs dalils du caractère mu'addib, donc du caractère éducateur spirituel de l'imam Malik, c'est ce qui se passe à la fin de sa vie. Et j'arrive toujours pas à me rappeler de ce compagnon-là. Qui viennent, ils sont trois à le voir à la fin de la vie, et disent, donne-nous des conseils. Il se tourne vers Ibn al-Qasim, du moins avant, il se tourne vers Ibn Wahab, il dit à Ibn Wahab, rapporte ce que tu as reçu, donc les hadiths, mais fais attention, fais bien attention à ce que tu rapportes. Parce que c'était un grand muhaddith, Ibn Wahab, et quand il a rencontré l'imam Malik, justement, en tant que muhaddith, il utilisait les hadiths un petit peu n'importe comment. Et c'est l'imam Malik qui lui a appris à utiliser les hadiths. Il lui a dit, fais attention à ce que tu transmets. Donc il lui a dit, continue sur cette démarche de savant, c'est comme ça que tu vas t'approcher d'Allah Ta'ala. Comment Ibn Wahab est mort? Les gens, ils savent. Ibn Wahab, il a écrit un livre où il rassemblait tous les hadiths qui parlaient en fait de la fin des temps, du jugement dernier. Quand il a fini, il a relu. Il a eu tellement peur qu'il est mort une semaine après de ce qu'il a lu. Pour vous montrer le lien qu'il y a entre les deux. Ibn Wahab, c'est l'un des deux dont on rapporte la parole qui dit, j'ai passé 20 ans avec Malik, 18 ans de adab, 2 ans de fiqh. J'aurais aimé faire que du adab. Mais vous croyez vraiment qu'il a appris à s'asseoir? Vous croyez vraiment qu'il a appris, ouais, on mange comme ça, la main droite, comme ça, le pied comme ça? Vous croyez vraiment que l'imam Malik a passé 2 ans à lui expliquer, 18 ans à lui expliquer ça? Mais là, c'est pas possible. Soyons un petit peu éveillés. L'autre, c'est Ibn al-Qasim qui est aussi dans le récit. Pareil, la même parole, on rapporte d'Ibn al-Qasim. 20 ans avec l'imam Malik, 18 ans de adab, 2 ans de fiqh. J'aurais aimé faire que du adab. Il dit à Ibn al-Qasim, la science que tu as reçue, transmets-la, donne la fatwa. Il dit, toi, tu es un faqih, donne la fatwa. C'est pour ça que Ibn al-Qasim, le madhhab maliki, est construit sur lui. C'est l'imam Malik lui-même qui a en fait son khalif sur son madhhab. Personne ne conteste ça. Sa riwaya, elle est tellement importante que quand Ibn al-Qasim dit une parole, sa parole a valeur de 3 ou 4 riwayas par rapport aux autres. Apprendre à résister à des piqûres de scorpions. Ouais, c'est ça. Le troisième compagnon, dont j'arrive pas à me rappeler du nom, malheureusement, il se tourne vers lui et dit, toi, lis le Coran, consacre-toi à la ribada.
Ce compagnon-là a passé sa vie à lire, je crois, une ou deux fois le Coran par jour. Et il a dit, c'est parce que c'est lui qui rapporte le récit, il a dit, il ne m'a pas vu quelqu'un comme compétent pour transmettre la science. Il m'a vu comme quelqu'un qui est un ibad. Vous pensez vraiment que quelqu'un qui se limite à transmettre de la science comme ça, comme certains pensent, que l'imam Malik n'était pas un éducateur? Vous pensez vraiment concrètement que l'imam Malik, quand il dit ça à ses trois élèves, c'est pas un éducateur? Vous pensez que c'est pas du tadib, c'est pas de l'éducation ce qui a été fait ici? Et effectivement, à l'époque, le terme tasawuf, notamment à Médine, n'était pas vraiment utilisé, mais on parlait de adab. Dans les premières générations, notamment chez les Hijazis, en fait, le adab, ici, c'est le tasawuf. Parce que c'est adab min Allah, la relation, le comportement avec Allah. Donc, quand les soufis viennent, on va y revenir justement sur un en particulier qui est l'illustration la plus excellente de ça, prennent une fatwa et disent, cette fatwa-là, c'est ce qu'elle veut dire. Elle renvoie à cette notion-là, que lorsque on a la position debout dans la wajh, le fait qu'on dit que c'est obligatoire, la toumanina, le fait que c'est obligatoire de rester un moment dans chaque étape de la prière. Ça correspond à l'étape que tu as lorsque tu chemines spirituellement. Tu dois rester un minimum de temps dans chaque étape. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Si, c'est comme ça. C'est lecture de la sharia, des ayats de Coran, des ahadith et des choses qui sont du domaine du fiqh ou de la aqidah. Cette lecture qu'ont les soufis est une lecture à laquelle on initie les individus, non seulement pour leur permettre de cheminer, mais de comprendre certaines choses. Exemple. Dans le Coran, on dit les hommes ont la part de deux femmes. Quand ils sont de la même tabaka, c'est-à-dire frères et sœurs, frères et sœurs, filles et fils, etc. Frères et sœurs d'un individu, ou bien filles et fils du défunt, on dit les hommes ont la part de deux femmes. Les hommes ont la part de un homme a la part de deux femmes. D'accord. Quelle est la communauté de savants qui dit Nahnu Rijal, nous sommes les hommes, les soufis. Ce sont eux qui ont hérité de la plus grosse part dans l'héritage prophétique conformément au hadith. Parce que, en fait, ulema ici, ça correspond à tous les ulema, sans distinction de qualité. Mais dans cette catégorie-là, là, il y en a qui ont réussi à hériter d'une plus grosse part. C'est pour ça que, quand on est venu voir Al-Aziz ibn Abd al-Salam, on lui a demandé, mais entre les soufis, les fuqaha, c'est qui les meilleurs? Il a dit, mais t'as déjà vu un faqih qui n'est pas soufi avoir des karamates? Ceux qui ont hérité de la plus grosse part de la prophétie, de l'héritage prophétique, évidemment que ce sont les soufis. Vous allez me dire, mais comment j'ai sorti ça? C'est une évidence. Lorsque vous abordez la chose d'un point de vue de tasawuf, c'est une évidence. Il n'y a pas plus évident que ce que je viens de dire. Et cette manière de lire le Coran et la Sunna sur la base de quoi vous vous permettez de le limiter, de dire non, on ne peut pas le dire comme ça. Sur la base de quoi? C'est quoi le dalil? Donc, on revient à notre sujet. Qui est justement la notion de bay'a, avant d'aborder la notion de tariqa. On voit clairement qu'il y a, à un moment, la notion de bay'a dans le Coran, dit explicitement dans sourate Al-Fath. Dans sourate Al-Fath, c'est le dalil qui est pris par les soufis pour la bay'a telle qu'elle est donnée et prise maintenant. Dans les touroukhs actuels. On va y revenir. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est. Mais avant les touroukhs actuels, il y avait quoi? Il y avait des bay'as? J'affirme que oui. Et les bay'as qu'il y avait, c'était les mêmes qu'on peut voir dans Sourate Al-Kahf avec Sayyidina Moussa et Sayyidina Al-Khidr. Quelqu'un qui est demandeur, qui est guidé par Allah vers un Shir Murabbi, qui lui demande qu'on lui transmette quelque chose. Le Shir Murabbi, il a obligation d'accepter.
Et il met des conditions et ces conditions doivent être respectées. Cette baya'a-là, sa forme-là, correspond à ce qu'on va trouver dans les koutoubs de fiqh, dans les bab al-buyu'a, dans les chapitres des contrats. C'est-à-dire que c'est basé sur le urf, sur les habitudes, sur comment est-ce qu'on s'exprime. C'est-à-dire que si habituellement on considère que quelqu'un est le disciple de quelqu'un à partir de du moment où il s'est mis dans une position qui fait qu'on le reconnaît comme tel, il y a eu baya'a. Quand vous allez voir, là, à l'heure actuelle, sans rentrer dans les questions de tariqa, de tasawuf, quand vous allez voir un cheikh, ou quand vous, vous savez même pas un cheikh, allez sur des instituts, institut Maziri, institut la Mahdara, vous allez sur, je sais pas, l'institut Achari, qu'est-ce que vous faites? Vous payez. Vous avez un contrat avec eux. Eux, ils sont censés répondre, en fait, à une attente que vous avez. Vous avez un contrat avec eux. C'est un bay'a. C'est un contrat. Dans lequel il y a, ici c'est un contrat de ijara, c'est-à-dire qu'il y a une vente de service. Vous demandez un service. Et ici, les règles qui s'appliquent sont les règles du chapitre de l'ijara. Du fasl, plus particulièrement du sous-chapitre de l'ijara, parce que c'est une forme de contrat parmi d'autres. Il y a des contrats qui sont licites, d'autres qui sont illicites. Dans l'ijara, il y a des contrats qui sont permis, d'autres qui ne sont pas permis. Et d'une façon générale, c'est le urf qui est en vigueur ici. C'est-à-dire que la façon de faire un contrat, c'est le urf qui va déterminer s'il y a bien eu contrat. Quand vous allez à une caisse de supermarché, que vous posez votre article et qu'ensuite vous payez, vous n'avez pas besoin de dire je prends ça, tu prends ça, ça coûte combien? Non. Parce que les habitudes françaises font que ici on considère qu'il y a un contrat achat-vente. De la même manière qu'il est tacite en France, que s'il y a un défaut dans la marchandise, je peux revenir. Même s'il n'y a pas de défaut, je peux décider que je n'en veux plus, je peux revenir. Donc en France, le fait de pouvoir revenir sur le contrat, par défaut, est licite. Pourquoi? Parce que c'est comme ça dans les règles, dans le urf français. Tandis que lorsqu'on prend chez les Malikis, il faut dire avant que ceci est un contrat qui est résiliable. Il y a possibilité, il y a la possibilité de résilier si on veut. Mais la possibilité de résilier si on le veut, la possibilité de résilier un contrat si on le veut, soit doit être dit explicitement, ou soit dans les habitudes, ce type de contrat-là, c'est connu qu'on peut le résilier. À tel point qu'en France, il faut préciser qu'on ne peut pas résilier un contrat. Pourquoi je vous explique tout ça? C'est pour comprendre que dans la période qui précède les touruqs, dans la forme telle qu'on les connaît avant, il y avait des bay'a. Celui qui conteste cela ne connaît pas le tasawuf. Il ne connaît même pas la communauté, j'ai envie de dire. Parce qu'il y avait clairement des gens qui étaient identifiés comme les disciples de tel cheikh. Sans même rentrer dans le cadre, en fait, du tasawuf, hein. On sait qu'Ibn Qasim était l'élève qui a été totalement formé par l'imam Malik. Il a reçu de l'imam Malik. Il a été éduqué par l'imam Malik. On l'a prouvé juste avant. Celui qui me dit qu'il n'a pas été éduqué par l'imam Malik, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut lui dire. Quand quelqu'un vous dit, j'ai passé 20 ans avec quelqu'un, 18 ans de adab, 2 ans de fiqh, vous me dites qu'il a appris à s'asseoir, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre tête. Vous croyez vraiment qu'on est une communauté, on passe 20 ans à apprendre à s'asseoir avec quelqu'un? Oui, il a appris à s'asseoir. S'asseoir avec Allah. Oui, si tu me dis ça, on est d'accord. Si tu me dis qu'il a appris à s'asseoir pour manger comme ça, oh frère, tu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour ça? Le Coran, c'est ce qui est dit dans le Coran? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour t'apprendre à t'asseoir? Non, il est venu pour t'apprendre à adorer Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. C'est à ça qu'on a été. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mission, c'est ça. Il a été envoyé pour nous apprendre à adorer Allah Ta'ala correctement, à le faire la ibada correctement. Donc quand tu apprends à t'asseoir avec un wali, tu apprends à t'asseoir avec Allah. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'être assis comme ça. La position, c'est de te montrer que à tout moment, tu es musta'id, tu es prêt à te lever pour Allah, pour aller fisabilillah.
C'est-à-dire que le fait de manger là, c'est juste un temps de récupérer pour manger un petit peu. Après, vous allez m'expliquer, oui, le ventre et tout ça, c'est bien. D'accord, oui, il n'y a pas de problème. Là, cette position assise, c'est une symbolique. Ça symbolise le fait qu'à tout moment, la personne peut se lever. Donc, si vous voyez un grand wali assis comme ça, en train de manger, dites-vous que ce wali là, lui là, si Allah Ta'ala l'appelle, il sera debout avant vous alors que vous, vous êtes assis comme ça. Je vous le promets. Il sera peut-être, mais il va s'envoler. Il faut bien comprendre. C'est ça que le tasawuf enseigne. La transmission, le ta'alloum, l'enseignement dans le tasawuf, c'est de vous faire comprendre ces réalités-là. Après, il y a le tarbiyah, le fait d'être éduqué par un individu. Comprenez bien ce qu'on essaye d'expliquer ici. On ne rabaisse pas une science par rapport à une autre, on met chaque science à sa place. La différence ici, elle est fondamentale. Shirul Khadim Namaraqun dit Walhaqu Badu Abdi. Dans une autre possibilité de tasawwufun mujiri. Ici, le an, c'est pas l'ibtida, c'est comme si dire que tasawwuf vient, il y a une racine. C'est l'accomplissement du fiqh et du tawhid. Majid, c'est dire que le tasawuf est plus élevé que tous les autres. Mujid, c'est dire que le tasawuf va t'élever toi. C'est ça ici qu'on essaye de faire comprendre aux gens. Donc, dans les premiers temps de l'islam, la bay'a, clairement, et même on le voit dans la sunna et plusieurs mashayikh l'ont montré, c'est qu'il y avait des bay'a qui étaient plus spécifiques. On prend un récit où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passe devant un compagnon, il dit fais-moi bay'a. Il dit mais j'ai déjà fait bay'a. Non, renouvelle ta bay'a. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et notamment, c'est ça que représente la bay'a de Sourate al-Fath. Et qu'est-ce qui nous est dit dedans et pourquoi les mashaykhs l'utilisent comme dalil? C'est qu'en fait, c'est une bay'a, il y a un renouvellement de bay'a, il y a un engagement particulier. Elle est plus spécifique que les autres bay'a, justement un petit peu plus général, la bay'a de l'engagement général, justement, de venir en aide au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à partir de laquelle l'État islamique a commencé. L'État, le premier, a commencé. Cette bay'a était plus spécifique d'une part, et d'autre part, en fait, Allah dans le Coran, il nous dit bien qu'après, avec cette bay'a-là, Yadullah, fawqa bayna aydihim, le Yadullah est sur leurs mains à eux. Deuxièmement, il y a l'idée de Sakina, de le fait que la présence divine qui apaise les individus. C'est pour ça que vous voyez des gens qui prennent des bay'a dans des tourouks, après ils sont dans des états, vous vous dites, mais pourquoi t'as changé? Qu'est-ce qui a fait que t'as changé? Parce que la bay'a qu'ils ont prise a un effet réel sur eux, concret. C'est pas des films, c'est dans le Coran. Est-ce qu'une bay'a peut être rompue? Vous allez dans Sourate al-Kahf. C'est dit. Oui. Le shérif dit stop. Tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit, donc je ne peux pas t'éduquer. Le shérif dit je ne peux pas t'éduquer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les conditions de la bay'a. Malgré ça, le shérif, il lui donne le ilm. Il dit regarde, l'interprétation de ce qui s'est passé, c'est ça. Tu as vu, ça t'a choqué. D'accord. Maintenant, je t'enseigne. Donc, comprenez bien ici ce qu'on essaie de dire sur cette notion de bay'a. Si la bay'a est dans le Coran, vous ne pouvez pas nous dire, oui, ça a apparu au 5e siècle de l'Égypte. Ça n'a aucun sens. Faites preuve de bon sens un petit moment. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? On vous dit que c'est dans le Coran, vous dites, oui, on est d'accord, oui, c'est dans le Coran. Et tu dis après que ça a apparu au 5e siècle de l'Égypte? C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a la bay'a. Dans sa forme, et ici je parle de la baya en tant qu'engagement spirituel, dans sa forme, walillahilham, dans sa forme, effectivement, elle a plusieurs manières de se formaliser. On a pris deux gros exemples, l'argent assez différent. Le cas de Al-Khid, alayhi salam, avec Sayyidina Moussa, alayhi salam, le cas de Sourate Al-Fath. Et on voit que ce sont des formes très différentes, parce que dans Sourate Al-Fath, les termes de la baïa étaient clairs. Et là, on a dit quoi? La baïa de la première période avant justement le 5e siècle, avec la. On va aborder la question des turuq et de leur changement de forme.
avait une forme particulière qui était plus proche de ce qu'on trouve dans les abwab qui parlent de bab al-buyu' qui correspondrait à la ijara, etc. Jusque-là, alhamdoulilah, j'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est-à-dire que c'était une bay'a qui était, on va dire, basée sur le urf, sur les habitudes, sur le fait que lorsque tu allais auprès d'un cheikh, tu te mettais dans une certaine position, tu étais de fait le mourid de ce cheikh. Parce que lui, c'était un cheikh murabbi, il était éduqué. Il y avait une formalisation, il y avait une forme de théorisation qui, dans les premiers temps de l'islam, n'était pas là. C'est pour ça que, par exemple, pour le Tassouf, on dit, ouais, c'est plutôt deuxième, troisième siècle. Non, c'était là depuis le début, c'est juste que la théorisation n'était pas encore présente. L'imam Malik, au deuxième siècle, il vous dit que le ilm n'est pas une accumulation de riwaya. C'est pas une accumulation de riwaya. Le ilm est un nour que Allah Ta'ala jette dans le qalb de l'individu. C'est une parole de faqih, ça, ou de muhaddith? Les muhaddithoun, ils veulent accumuler plein, plein de riwaya. Pourquoi ils disent ça? Vous pensez que l'imam Malik, il croyait pas après les riwaya? Une anecdote pour comprendre comment l'imam Malik, entre guillemets, courait après les riwaya dans le sens des savants du hadith. Il avait entendu parler de Ata ibn Abi Rabah, grand savant parmi les tabi'in, qui était un disciple de Ibn Abbas, c'est l'école de Ibn Abbas. La madrasa d'Ibn Abbas est connue. Notamment en matière de tafsir. Et un jour, il le voit. Donc il se rapproche, il va aller auprès de lui pour prendre de la science. Et il le voit faire une chose qui le choque. Il le voit se frotter à la manière des awam, du commun des gens, sur le minbar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ah, ça c'est un comportement de awam. Et il a été, ça l'a dérangé, donc il s'est dit, je vais pas prendre de la science de lui. Il a un comportement qui est pas digne des... Parce que sûrement les ulémas de Médine n'avaient pas ce comportement-là avec le minbar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rahamallahu Imam Malik. L'imam Malik a reçu un petit peu après ça, et malheureusement pour lui, après la mort de Ata ibn Abi Rabah, le hadith sur le comportement qu'avaient les compagnons avec le minbar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notamment qu'ils attendaient que les gens partent pour pouvoir justement se frotter à lui. Subhanallah. L'imam Malik a dit, je n'ai eu de cesse de chercher ses élèves pour avoir sa science. Vous voyez la différence entre nous et ces gens-là? Le premier chapitre des Mu'amalat, c'est Babu Nikah. Chez les Malikis, dans le tartib, l'ordre comment dire, des chapitres, il vient soit après le chapitre du Nadr, soit après le chapitre du Djihad. Parce que le chapitre du Djihad et le chapitre du Nadr sont selon le tartib. Si vous suivez le tartib, par exemple, de Ibn Abi Zayd al-Tarawani, vous allez terminer sur le chapitre du Djihad. Non, excuse-moi, sur le chapitre du Nadr. Parce que justement, pour que ça soit clair, on voit clairement que le chapitre du Djihad est un chapitre des ibadas, des adorations. Ou dans le tartib de Khalil, où justement, on conclut par le chapitre du Djihad. De toutes les manières, c'est un détail. Pourquoi? Et As-Sawi, lorsqu'il introduit le chapitre de Babu Nikah, il explique pourquoi le chapitre du mariage est le chapitre qui est le plus proche dans l'ordre des chapitres et le premier chapitre des Mu'amalat qu'on aborde. Parce qu'en fait, ce qu'il explique, et vous pouvez aller vérifier dans Bulghatu Salik, donc son hachia sur le charh de Aqrabu Masalik de Imam Dabir, où il dit. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Babu Nikah, c'est certes un chapitre des Mu'amalat, mais c'est le chapitre des Mu'amalat qui est le plus proche des chapitres des adorations. Pourquoi? Parce que, par ailleurs, on voit que ce contrat qui est le mariage a un statut
de base qui est la recommandation. Et s'il a le statut de base qui est la recommandation, c'est que ça fait partie des adorations. Parce que d'une manière générale, les ibadah, les qurbah, leur statut de base, c'est la recommandation. C'est pas l'ibaha. L'ibaha, c'est pas un statut le fait d'acheter une voiture ou un truc comme ça, c'est pas une adoration. Par contre, se marier, c'est une adoration. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que les soufis vont élever la question de la baïa à un niveau supérieur au final. C'est-à-dire qu'ils vont passer de ce chapitre des bouyours avec des habitudes qui étaient dans le commun des gens, c'est-à-dire que lorsque l'on identifie que quelqu'un s'est engagé auprès d'un cheikh d'une façon qui est reconnue comme un engagement, c'est son disciple, c'est son mourid, et il transmet de lui. Il a reçu de lui, il transmet de lui. Et bien là, ils ont voulu rendre ça beaucoup plus formel. Et la référence, c'est le chapitre d'Anikar. Vous allez me dire comment? Qu'est-ce que je raconte? Ben, c'est pas compliqué. Et bien en fait, dans Babou Nikar, il faut un wali, un mahal, c'est-à-dire que les gens qu'on doit marier sont compatibles. C'est-à-dire qu'ils sont mariables. Il faut un mahar, une sadaq. Souvent, le terme qu'on utilise chez les malikis, c'est sadaq. Et le plus important ici, sur lequel je vais insister, as-sira, la formule. C'est-à-dire qu'il y a une formalisation claire de l'engagement. La baïa soufie telle qu'elle est en vigueur depuis que les ulémas du tasawuf, que les soufis ont fait un ijtihad sur comment reformaliser les turuq, a été maintenant, tu veux t'engager avec un cheikh, il faut que ça soit formalisé, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit clairement dit. Et venez pas me dire, oui, les turuq avant c'était comme si c'est. Je ne savais pas de quoi vous parlez. Parce que quand on va commencer à parler des turuq avant la période de Charles de Khalil Gilani, il y a des gens, ils vont saigner des yeux. On a nos livres. Vous croyez qu'on est né hier soir? Donc, il y a eu un passage, c'est-à-dire que le référentiel, la façon de faire la baïa, a changé de forme. Mais la baïa n'a jamais changé. Ça a toujours été l'engagement que le cheikh auprès de qui tu viens est là pour mettre dans ton cœur l'adoration d'Allah, la vraie. La parole, celui qui n'a pas de cheikh, shaitan et son cheikh, elle est de Abu Yazid al-Bistami. Troisième siècle de l'Égypte. Époque de Salaf Salih, selon l'un des deux avis. Celui qui va auprès d'un cheikh pour recevoir une transmission. D'ailleurs, on voit ça dans le hadith. Quelqu'un, quand on dit que un tel a eu 900 cheikhs, c'est pas il a pris deux des riwayas, c'est pas forcément son cheikh dans le sens où il a éduqué. Donc j'insiste, la baïa en tant que telle n'a pas changé. L'engagement que celui qui va auprès d'un cheikh reçoit la ma'arifa, reçoit la possibilité de faire la ibadah d'Allah Ta'ala correctement, espère, Rajal Wusul, espère la proximité divine, ça n'a pas changé. La forme de la baya'a, est-ce qu'elle est plus formulée? Est-ce qu'elle est plus de type habituel selon les coutumes? Ça, oui, ça a évolué. Oui, pas de souci sur ça. Est-ce que ça pose un problème? Non. Les soufis n'ont pas estimé que ça posait un problème. Au contraire, ils ont trouvé que c'était même mieux. Qui es-tu, toi, qui n'as reçu ni initiation, ni qui n'a une, qui a été éduqué par personne, qui n'a pas de wird, qui n'a. Comment peux-tu remettre ça en question? Tu vas remettre en question, en fait, les. Après, il y en a qui le font. Mais là, je parle des gens qui veulent être orthodoxes. Comment tu peux être orthodoxe,
remettre cette science-là, et les ulémas, les imams de cette science, sur comment ils ont formalisé cette science, et ne pas le faire pour les fuqaha, les usuliyun, les mutakallim. Tu le fais pas pour eux. Ceux qui, par exemple, prennent aujourd'hui un mutakallim en référence pour parler de tasawuf, ils sont pas sains d'esprit. Vous n'êtes pas bien. Parce que ça veut dire que si tu as une maison demain, tu as un problème d'électricité, tu vas appeler un plombier. Est-ce que lorsqu'il y a un problème d'électricité chez toi, t'appelles un plombier? Oui ou non? Non! Pourquoi tu fais ça dans la religion d'Allah? Pourquoi tu vas voir un mutakallim pour te parler de tasawuf? Pourquoi? Quelle est la personne qui a eu un moment dans sa tête et s'est dit c'est intelligent de faire ça? La religion d'Allah, c'est quoi? C'est un souk? C'est un supermarché? Anecdote. J'étais assis, j'enseignais à des élèves. À Taverny, dans notre dara, notre zaouia, l'équivalent d'une zaouia. C'est exact. C'est des termes, c'est juste des termes qui changent. Et c'était des enfants qui avaient entre eux 10 et 15 ans. Le comportement qu'ils ont eu avec moi m'a fait comprendre le sens de la parole du professeur d'ensemble qui dit que Allah Ta'ala, l'endroit qu'il déteste le plus, c'est les marchés. Je les ai vus, j'ai dit, mais en fait, effectivement. Parce que c'est quoi? C'est les endroits où tu n'es pas dans la ta'a, tu n'es pas dans l'obéissance. Tu es dans la polémique, dans le je veux ci, je veux ça. Et quand quelqu'un te propose quelque chose, tu ne veux pas le prix tel qu'il te l'a donné, tu veux négocier avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui proposait un prix, il disait, mais sinon, je te donne plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam négocie à la hausse. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam négocie à la hausse? Parce que les ibadas se négocient avec Allah Ta'ala à la hausse. Allah Ta'ala nous a demandé 5 prières par jour. C'est-à-dire que, qui est-ce qui négocie à la baisse avec Allah? Non, je ne vais pas t'en donner 4, je vais t'en donner 4, pas 5. Qui fait ça? Tu fais ça. Train pour en bas, laisse-nous tranquille. Va faire un tour en charbon cuir et puis après tu vas te soigner et puis après tu vas revenir chez nous. Non, avec Allah, il faut négocier à la hausse. Avec Allah, Allah il te demande 5, tu dis je t'en donne 15, 20, 30, 40, 50. C'est comme ça qu'il faut négocier avec Allah. Si on prend la religion comme un marché, négocie à la hausse. Négocie pas à la baisse. Vous allez me dire qu'est-ce que je sors encore? Tasawuf. C'est ça que le tasawuf vous enseigne. C'est ça avoir une relation avec Allah. C'est ça que la relation avec Allah vous transmet en matière de connaissance, de savoir, de comment vous rapprocher d'Allah. Vous voulez négocier avec Allah, négocier à la hausse. Allah il vous a demandé 5, donnez-lui en 10. C'est une aberration. C'est-à-dire que la manière dont les gens comprennent les notions qu'on est en train d'aborder, ça devient absurde. Quel ouvrage conseiller sur la bay'a? Honnêtement, tout ce que je suis en train de dire là, c'est un jama' de énormément de choses. Donc j'ai pas de choses qui me viennent en tête sur qui pourraient expliquer la bay'a d'un point de vue comme le dit les soufis. C'est exactement la même chose. L'évolution du fiqh, l'acceptation des madhhabs. Pareil, les gens disent les madhhabs, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas 4 madhhabs, il y en a eu plus. Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas les autres? Pourquoi aujourd'hui on suit certaines touruq et pas d'autres? Ben là on va aborder la question de la tariqa. Je pense que le livre le plus intéressant à mettre dans les mains des gens pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas compris c'est quoi une tariqa, c'est Kashful Mahjoub. Kashful Mahjoub, c'est un livre écrit par un savant, un soufi qui s'appelle El-Oujhouiri. Un Ash'ari Hanbali, des cas un petit peu rares dans l'histoire de Hanabila, qui a écrit un livre, un traité de tasawuf très intéressant, mais vraiment très intéressant parce qu'il y a une partie du livre où il parle des madhhab. Il dit al-firaq bayn al-farq wal-madhhab. Il parle de, le terme qu'il utilise c'est madhhab. Mais c'est le même concept. Donc il parle de, et c'est dommage j'ai plus de batterie là parce que je l'ai que en PDF. Il parle de Junaidia. Il parle de Taifuria. Des noms que les gens. Junaidia, tout le monde a entendu. Taifuria, qu'est-ce qu'a entendu? Qu'est-ce qu'a entendu al-muhasabiya? Qu'est-ce qu'a entendu Asaraqatiya? Qu'est-ce qu'a entendu Tustariya? Qu'est-ce qu'a entendu parler d'Al-Hakimiya?
Allez prendre Kashful Mahjoub, allez lire. Il y a tout un chapitre sur 12 touruq, les touruq qui existaient à son époque. Il parle des touruq qui existaient déjà à son époque. Et là, c'est là où est-ce que vous allez, on va vraiment lever, et c'est conforme justement au titre de ce livre-là, on va lever un voile sur une réalité que les gens ne comprennent pas quand on parle de tariqa. Car à l'époque où parle, à l'époque où parle Al-Hujwiri, les tariqas telles qu'elles existent, leur forme est diverse et variée. C'est-à-dire qu'elles se caractérisent non seulement par des avis qui leur sont propres sur certaines questions liées au tasawuf, par exemple, qu'est-ce qui est mieux? L'époque, excusez-moi, Astaghfirullah, c'est le 5e siècle de l'Hégire. Il est contemporain d'Al-Qushayri. Donc on est vraiment, 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 vraiment là, au 1er siècle de l'islam. On est au 5e siècle de l'Hégire. On est juste après la période des grands livres comme Kitab al-Ta'aruf d'Al-Kalabavi ou Kitab al-Luma'a d'Al-Sarraj, qui sont eux du 4e siècle. Vraiment, faut comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler là. On est à l'époque de Qut al-Qulub d'Abu Talib al-Makki. Et Qushayri, pareil, il écrit son livre à peu près à la même période. Et Qushayri, il meurt légèrement avant, 10 ans avant Al-Hujwiri. C'est-à-dire que quand certains vous disent oui, Ibn Khaldoun il a dit, oui, on veut bien qu'Ibn Khaldoun ait dit, ça n'engage que lui. Sauf que nous, on te dit que les touruq, elles ont toujours existé. Comme les madhhab ont toujours existé. Le concept de madhhab, allez lire le livre d'Al-Bouti sur la madhhab, la madhhabiyoun, le fait de ne pas suivre un madhhab. Ce qui en soi est une aberration parce qu'en fait, c'est pas possible de le faire. Il explique bien qu'à l'époque des compagnons, il y avait des madhhab. C'est-à-dire qu'un compagnon qui décidait de ne suivre que Ibn Omar, il suivait le madhhab de Ibn Omar. La formalisation des madhhab tels qu'on les connaît, effectivement, c'est encore une question à aborder. Mais là, on est en train de parler de tasawuf, c'est exactement le même principe. C'est que pendant un moment, une tariqa, un madhhab de tasawuf, au final, c'est ça, à l'époque d'Al-Hujwiri, ça pouvait être autant. L'enseigne, ça se caractérisait par un cheikh, et soit le centre d'intérêt d'un cheikh, par exemple Al-Hakim al-Tirmidhi, qui lui s'intéressait beaucoup aux questions des maqams, des maqamat des awliya, l'un des premiers livres qui traite des maqams dans le cheminement spirituel, c'est lui, il en traduit sept. Le premier qui a parlé de Khatm al-Awliya, c'est lui, 3e siècle de l'Hégire. Al-Hakim al-Tirmidhi, considéré comme fiqh par l'ensemble des savants de Ilm al-Rijal, la science des hommes, qu'on appelle aussi Jarh wa Ta'dil. Fiqh, le premier qui parle de Khatm al-Awliya, c'est lui. Il a écrit tout un livre dessus, avec des questions. D'autres qui se caractérisaient plus par le fait d'insister sur une pratique ou une praxie dans le domaine du tasawuf. Al-Muhassibi, Al-Harith ibn Asad Al-Muhassibi, l'imam, qui était mutakallim soufi, qui était appelé Al-Muhassibi du fait que justement c'est lui qui a théorisé la muhassaba. Le fait une introspection particulière, un exercice particulier dans le tasawuf qui est transmis justement dans toutes les toroq, sur le fait de se demander des comptes à la fin de la journée sur les adorations, sur nos actes. Il a insisté sur cela. Il a écrit énormément sur la question. Les livres les plus anciens qu'on a de tasawuf pour apprendre l'éducation spirituelle, c'est lui, parce que le côté tadib, le côté éducation
cheminement dans la correction de l'ego. Il est l'un des premiers, voire le premier à avoir écrit des livres clairs dessus. Et des livres très simples d'accès. Parce qu'il faisait quoi? Son élève, c'est qui? C'est Junaïd. L'imam Junaïd. Il prenait Junaïd, il allait le voir. Il dit, viens, viens, on sort, on va se promener. Il se prenait dans Bardad. Il dit à Junaïd, pose-moi des questions. Junaïd posait des questions. À la fin de la journée, il rentrait chez lui. Toutes les questions que Junaïd il a enregistrées, toutes les réponses qu'il a données, il a enregistrées. Et il écrivait un livre. C'est comme ça qu'on a eu de magnifiques livres de Al-Muhassibi. Alhamdulillah, pour ceux qui n'ont pas possibilité en arabe, c'est en français. Sarah Saqati, pareil, cher de Junaïd, etc., etc., etc. Donc, il décrit ces turqas, et notamment sur des questions d'avis. Par exemple, il met en opposition, ce qui est normal, la Junaïdia et la Taïfouria. Junaïdia qui était justement les Ahlou Sahou, les Souhar, plutôt, les gens justement de la sobriété. Des gens qui appelaient à le fait d'être plutôt sobre, qui mettaient en opposition Ahlou Soukr, donc les gens de la Taïfouria. Donc il décrit tout cela. Alors, comment ont changé les Turuq? Les Turuq ont changé, pourquoi? Parce que, à l'époque d'Al-Ujwiri déjà, et il le dit lui-même, et ça va être le cas par la suite, en fait, la majorité des Turuq vont se fondre dans une Turuq, qui est la Junaïdia. Parce que c'est une taraka qui se traduit par l'istiqama et le fait qu'elle considère l'ensemble des sujets du tasawuf de manière équidistante et leur donne chacun son importance. Donc, la muhassaba de al-muhassibi, on la retrouve dans la Junaidia. Le Sahlatustari, que j'ai oublié d'évoquer justement, qui est un savant qu'on met en avant, sa taraka était le fait de mettre en avant le al-juhud, le mujahad à tout nefs, le fait de faire l'effort contre son nefs par le biais des mortifications. Vraiment, il disait que c'était l'une des choses les plus importantes. Et certains ont fait souligner que le problème de cet avis-là, c'est qu'on peut croire donner trop d'importance aux actes. Mais en fait, c'est aussi dans la Junaïdia, etc., etc. C'est-à-dire que l'ensemble des Turuq, au final, sont dans la Junaïdia. Par exemple, la Malamatia, le fait de ne pas montrer ses états. Pareil, Junaïd était sur cette voie-là. Etc., etc. C'est l'idée de sobriété, l'idée d'istiqama, l'idée de ne pas montrer ses états, etc., etc. Et comme la plupart des autres turuq, au final, se sont fondus dans la Junaïdia, le Junaïdia, c'est celle qui est la plus répandue des tariqas actuelles. J'ai bien dit actuelle. Oui, parce qu'effectivement, il y a une transmission de la Junaïdia. Par un biais ou par un autre. On va aborder cette question-là. La majorité, quasiment toutes les turuq, Qadiriya, Shadiriya, Suhwaridia, Shishtia, Rifa'iya, tout ça, c'est Junaidi. D'une forme, d'une manière ou d'une autre. Parce que même si des fois, peut-être au niveau de la chaîne de transmission, c'est pas exactement la même, on va voir qu'en fait, au niveau doctrinal, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'il y a des chaînes de transmission de la Shadiriya qu'on va trouver où on passe que par. On passe par Al-Hassan, donc le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec une chaîne de transmission particulière. Mais vous verrez, si les gens s'intéressent aussi là justement de tasawuf, vous verrez qu'en fait les machirs sont tous connus. C'est pas des inconnus, c'est des gens qui sont connus. Et la transmission en fait des turuq, pareil, est connue. Alors, la Junaïdia est la synthèse de la majorité des turuq. Ensuite, la Taïfouria, qui elle va être transmise, qui est une taraka qui a pour particulier que dans sa chaîne de transmission, il y a de ce qu'on appelle le Waisi. On va aborder aussi la question de Waisi. Waisiya, pour faire assez rapidement, parce qu'on va y revenir, c'est l'idée que le shir qui nous éduque, par lequel on a la ma'rifa, n'est pas avec nous physiquement. Soit c'est dû à la distance, comme le cas de Wais al-Qarni, qui a était éduqué à distance par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui était yomen, ne pouvait pas venir, il est resté auprès de sa mère pour faire la khidma à sa mère, parce que sa mère était vieille et malade, et donc il aimait quand même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis en relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a confié à ses compagnons, et notamment Omar ibn Khattab et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum, quelque chose qui devait transmettre à Ouess al-Qarni.
C'est-à-dire physiquement, parce qu'il et justement il l'ont vu, etc., etc. On va pas rentrer dans les détails de cette histoire, mais c'est cette idée-là. Que ça soit à travers l'espace et le temps. C'est comme ça que Taïfouria, en fait Taïfour, c'est Taïfour ibn Issa, c'est-à-dire Abu Yazid al-Bistami, a certes eu un cheikh éducateur vivant, mais son vrai cheikh qu'il a transmis la ma'arifa, c'est l'imam Ja'far al-Sadiq, qu'il n'a pas vu, parce qu'ils n'ont pas vécu à la même époque. Et ça se trouve, ça vous trouvez, la tariqa qui transmet cette silsila-là, c'est la tariqa Naqshbandiya aujourd'hui. Et donc, on remonte, non pas Ali ibn Abi Talib, mais Abu Bakr al-Sadiq, notamment par le biais de Qasim ibn Muhammad, le grand-père de l'imam Ja'far al-Sadiq, qui était aussi le petit-fils Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr al-Sadiq. Walillah l'ilham, la Taïfouria, par le biais de la Naqshbandiya, s'est transmise. C'est-à-dire que les tourouq du temps de Salaf Salih, elles sont encore là. On les transmet encore. La troisième que je souligne, et honnêtement, j'avais pas fait attention comme ça, mais c'est en préparant ce dars-là que je me suis dit, mais en fait, c'est une évidence. Ça devrait être évident pour tout le monde. C'est la Hakimiyya de Hakim al-Tirmidhi. Comment elle s'est transmise? Par le biais d'un cheikh qui a une telle importance dans le tasawwuf qu'aujourd'hui, toutes les turuq sont sur sa voie d'une certaine manière. C'est Charles Akbar Ibn Arabi. Parce qu'effectivement, quand on lit Ibn Arabi, l'aspect le plus philosophique que l'on ait, le plus métaphysique qu'on a du tasawwuf, c'est lui qui a travaillé, qui l'a encore mis à un niveau que avant on n'avait pas vraiment fait. Il y a bien un Razali qui a formulé comme il a formulé de par ses compétences de ulema. Mais avant, on avait des gens comme Al-Hakim al-Tirmidhi qui avaient théorisé énormément de choses. Il avait même théorisé en fait les différents degrés du cœur. C'était, il y a un livre qui s'appelle Al-Bayan, Bayna al-Firaq, Al-Sadr wal-Qalb, wal-Fuad wal-Lub, qui est quasiment une anatomie spirituelle des individus. Et ce qui caractérise le côté hakimi d'Ibn Arabi, c'est le fait justement qu'il répond aux fameuses questions de Khatm al-Awliya. Donc cette fonction qu'a Ibn Arabi, au final, de remettre les questions de cosmologie, c'est-à-dire de comment sont organisées les fonctions des différents individus parmi les Awliya, les Afrad, les Abdal, toutes ces choses-là. Il a énormément écrit dessus. Et à partir de lui, soit on est sur sa position, soit on n'est pas sur sa position, etc., avec beaucoup de détails. On va pas rentrer dedans, mais comprendre qu'au final, ce sont les trois turuq qui restent. Donc ceux qui se pourraient dire, oui, 5e siècle. Non, pas 5e siècle. La réorganisation des turuq au 5e siècle, c'est une réorganisation, c'est tout. C'est pas une apparition. Cheikh Abd al-Qadir Jilani, il a une silsila qui remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui va réorganiser. Maintenant, qu'est-ce qui va être en question ici? Et on va conclure dessus. Et s'il y a des questions, Inch'Allah, que les gens les posent, c'est quelle est cette réorganisation? Qu'est-ce qui va caractériser chaque tariqa? Parce qu'au final, même on prend la Naqshbandiya jusqu'à aujourd'hui, au niveau des avis, on est plus ou moins sur des avis qui restent très proches. L'idée de soukr, d'ivresse ou de sobriété est très très proche en fait au final quand on regarde c'est des fois c'est des divergences presque juste terminologiques entre les toroq, c'est des divergences terminologiques en général les toroq qu'elles soient Junaidi ou Taïfouri ben l'enseignement de Ibn Arabi est diffusé dans toutes ces toroq là sans aucune problématique. Alors qu'aujourd'hui, une turuq qui n'est pas Akbariya, bizarre, c'est étrange. À tel point que moi, pour moi, on était passé à une étape où il y avait un consensus. On n'était plus sur une problématique de est-ce que Ibn Arabi est égaré ou pas égaré. C'est il y a que dernièrement qu'apparemment, il y aurait une ou deux personnes qui remettraient en fait de l'huile sur le feu sur cette question-là.
Mais bref. Les taureaux ont pris une nouvelle forme qui va se concentrer sur la praxie, sur la pratique, sur la méthode par laquelle on va faire tarbiyah. Et là, fait référence ici, c'est un hadith. Et ceux qui expliquent souvent le mieux cette question-là, c'est peut-être la tariqa qui est la plus formalisée, la plus organisée de ce point de vue-là, c'est la Tijaniyya. Alors, eux, ils parlent de faire tariqa, tellement c'est. Vous avez discuté avec eux, des fois vous avez l'impression, ils diront. Vous parlez comme si vous êtes des fuqaha quand vous parlez de votre tariqa, c'est incroyable. Avec des livres écrits, avec des détails, des divergences sur telle ou telle question, etc. Allez les consulter, vous verrez. Et le hadith en question, c'est celui de Baqiyatu Saliha. C'est-à-dire que ils vont dire une tariqa, c'est quoi? Aujourd'hui, une tariqa, c'est quoi? Pour tout le monde. Eux le disent, mais c'est valable pour tout le monde. Une tariqa, c'est quoi? C'est lorsque les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Ahlus Sufa, sont venus voir, ils sont venus se plaindre que justement, ben, on les avait devancés dans les adorations parce qu'eux, ils étaient pauvres. Notamment les riches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je vais donner quelque chose qui est supérieur. Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois après la prière, et vous terminez pour faire 100, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk, wa lahu al-hamdu, wa ala kulli shay'in qadir. Après chaque prière, vous faites ça. Et il y a une récompense qui est décrite. Donc, une tariqa, c'est quoi? Et vous allez voir encore comment est-ce que les soufis expliquent la religion partant de nos textes. Des mourides, des gens demandeurs, des gens qui veulent. Un cheikh qui donne des formules précises, une praxis précise, un nombre précis, à dire à un moment déterminé précis. C'est ces cinq éléments d'une tariqa aujourd'hui. Une tariqa aujourd'hui, c'est ces cinq choses-là. Ce qui fait qu'une tariqa est synonyme de wird, de pratique surrogatoire, de qurba, de ibada, organisée, faite à un temps déterminé, dans laquelle on va puiser, se désaltérer pour pouvoir cheminer spirituellement. C'est dedans qu'on va trouver justement la qurba, la relation avec Allah. Al-wusul. Donc clairement, ouais, il y a des détails. Il y a même un cas en fait où il y a un compagnon, on lui a donné en rêve, on lui a révélé une autre manière de faire les Baqiyatu Salihat, de faire 25, 25, 25. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, il a validé. Donc, je rentre même pas dans la considération de oui, les awarad, comment ils sont transmis sur la méthode. Ça, on pourra faire un autre sujet dessus. On prend Masul Jinan, on prend le chapitre des Wird et puis on va prendre le temps d'expliquer. Bismillah, il n'y a pas de souci. Mais là, on va pas faire ça. Là, on a déjà. Je pense qu'on a déjà bien assommé les gens en fait avec tout ce qu'on a dit. Donc le tasawuf tel qu'il est organisé aujourd'hui a été organisé par les ulémas de cette communauté. Celui qui critique ça, critique les soufis. Et critique le tasawuf tel qu'il est organisé. Le fait de critiquer le tasawuf tel qu'il est organisé aujourd'hui, tel qu'ils ont formalisé cette science-là aujourd'hui, la transmission de cette science, l'initiation à cette science aujourd'hui, remet en question le tasawuf lui-même. Il ne le sait pas. Je sais qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Mais vous le faites, point. C'est comme ça. C'est tout. C'est pas à vous de décider. Dans cette communauté, c'est pas nous qui décidons de quoi, de comment, des définitions. Si tu veux le faire, deviens ulema d'un niveau mujtahid dans ton domaine. Là, redéfinis les choses comme tu veux. Il n'y a pas de souci. On va dessus. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais atteins le degré, s'il te plaît, de mujtahid avant. Qu'on te reconnaisse comme étant quelqu'un de compétent pour définir ou redéfinir les choses. Il n'y a pas de problème à ce moment-là. Si ce n'est pas le cas, et même j'ai envie de te dire, il y a certaines personnes qui vont redéfinir des choses, on ne va pas les écouter. Pourquoi? Ah, il y a des âmes qui sont passées avant. Si je prends, si maintenant quelqu'un me ramène un contemporain, oui, tel savant extraordinaire, il a dit. D'accord, oui, mais ce qu'il dit contredit les imams. Quand un Qardaoui ou je sais pas quel savant, il dit des choses qui sont aberrantes par rapport à ce qu'on dit en fiqh, ben on dit, ouais, ce qu'il a dit, c'est aberrant. Pourquoi on pourrait pas faire parler dans le tasawuf? C'est quoi le problème?
Quelqu'un qui vient aujourd'hui, par exemple aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ouais, l'avis de Razali sur les Ahlul Fatara, etc. Ils vont faire un espèce d'ishtihad comme ça, contemporain. Ben, vous avez tous les autres mutakallim qui vont se ramener. Non, 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 t'as mal compris la parole de Razali. Pourquoi est-ce que dans le tasawwuf, ça vous pose un problème? Baraklafik, comment tu viens soufi sans être quelqu'un? Il y a des gens qui pensent que tu peux être soufi sans tariqa. Oh, après ce que je viens de dire, tu comprends que tariqa, c'est la manière, les méthodes que tu utilises. Tu ne peux pas aujourd'hui être initié au tasawuf hors du cadre d'une tariqa. Parce que tu n'auras pas de silsila, tu n'auras pas d'isnad qui te relie jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est techniquement, matériellement pas possible. Shar'an, je dis bien shar'an, ce n'est pas possible parce que les a'imma du tasawuf ont organisé, ont formalisé cette science et de la manière à la transmettre, à initier les gens telle qu'elle est aujourd'hui. Si vous me prenez comme argument 2, 3 uluberlus ou 5, 6, 10, parce que oui, mais ce qu'on trouve chez la majorité, c'est pas bon. Ouais, d'accord. Donc tu serais kafir, tu dirais, ouais, je me convertis pas à l'islam parce que ce qu'on voit sur la majorité des musulmans, c'est pas bon. On transpose ton discours avec le kufr, c'est exactement pareil. Oui, je ne suis pas un madhhab parce que ce que je crois chez les suiveurs des madhhabs, c'est pas bon. Ça n'a aucun sens. C'est pas un argument, c'est bête, c'est stupide. Comment on peut dire un truc pareil? Un kafir, il te dirait ça, tu dis ouais, mais tu dois pas juger l'islam sur les musulmans. Tu vas juger le ilm ou tasawuf sur les gens qui se disent soufis. Déjà de base, quelqu'un qui dit, il se lève un matin, ouais, je suis soufi. C'est tout ce que j'ai à dire. On va pas aborder la question des awliya, du hifd des awliya, des awliya, etc. C'est pas moi. Mais ce serait intéressant d'aborder la question, de comprendre les degrés de compréhension qu'on peut avoir du hifd des awliya. Et justement, comment est-ce que ça peut perturber certains que des awliya fassent des choses justement qui ne sont pas à faire, en principe. Mais on va pas aborder ça maintenant. En tout cas, sur la formalisation des turuq telles qu'elles sont aujourd'hui, sur la formalisation de la bay'a telle qu'elle est aujourd'hui, celui qui conteste cela, je suis désolé. Vous remettez en question cette science-là. C'est malheureux à dire, mais voilà, c'est comme ça. Malheureusement, c'est le cas. Je comprends bien que les gens, ce n'est pas ce qu'ils veulent, mais c'est ce que vous faites. Comprenez que dans notre religion, on a une religion où, au-delà du fait qu'on peut faire du procès d'intention, il y a un débat sur est-ce que le procès d'intention est licite ou pas dans la charia. Je suis maliki, c'est licite pour nous. Ça fait partie des qawaid al-fiqhiyya, des qawaid al-fiqhiyya de juger, de faire du procès d'intention. On peut faire du procès d'intention, oui, c'est l'avis des Maliki. Mais au-delà de la question du procès d'intention, il y a la question de l'acte. Est-ce qu'on peut juger l'acte d'un individu? C'est-à-dire que juger l'apparence de l'acte et dire, voilà, cet acte-là, voilà, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est possible, c'est permis. Donc, quand les gens font ce qu'ils font lorsqu'ils traitent le tasawuf avec un égard qu'ils n'auraient pas pour les autres sciences, eh bien, vous remettez en question la science du tasawuf. C'est comme ça. Que vous le vouliez ou non, désolé, excusez-nous, c'est pas moi, hein, c'est pas moi que je définis les choses. Moi, je fais que du naql. J'apprends, je transmets, j'apprends, je transmets. Pour ce qui est du tasawuf, si les gens ont des questions en particulier sur ma situation, qu'ils viennent me voir en privé, je les irai par en public. J'ai une question pour vous. Ben, à part le livre de Cheikh Mohamed Al-Bashir, ou le cheminement de Shir par rapport à ces maqamat, non, je connais pas de livre.
Et vu qu'on chemine à travers le shir, ben il est un petit peu la référence en matière de cheminement, quoi. Sachant que Cheikh Mohammed al-Bashir prend en référence Qut al-Qulub d'Abu Talib al-Makki, ce qui implique que Cheikh a cheminé de la même façon que ce qui est écrit dans Qut al-Qulub d'Abu Talib al-Makki, c'est-à-dire passer par la Tawba et finir, si je me rappelle bien, le dernier maqama, c'est la Mahabba. Le frère qui a demandé là, à participer, là, est-ce qu'il peut envoyer un message pour dire exactement ce qu'il voulait dire? Bismillah, s'il y a des questions. Hein. Sachant que le valet est enregistré et puis je le mets, il va rester en permanence. Hein. Je vais pas le laisser une durée à moi, je vais laisser. Les gens y auront accès et puis voilà. Ah d'accord. Bon, allez, donc vous voyez ce que j'ai essayé de faire là en espace de ouais, quasiment une heure et quart. Les gens auront accès à ça et puis j'ai donné des références. Les gens pourront retourner vers les références. Je les ai pas lues parce que j'estimais que voilà quoi, c'est pour la fluidité. Et ils auront effectivement ces références à disposition. Quoi. Ben, par exemple, ben, à distance. Ben, en fait, le live de demain, c'était celui-là. En fait, la baïa à distance, faut comprendre que le principe de baïa, c'est le fait que tu ailles vers un cheikh, que tu t'engages auprès de lui et que le cheikh accepte cet engagement. Donc, pour certains, c'est très formalisé par le fait de serrer la main, des choses comme ça. D'autres, en fait, c'est par une demande et une acceptation. Donc, conformément au chapitre de Nikah, l'ijab wa qaboul. Mais tout wird, wa alaykoum salam, il n'y a pas de wird qui n'est pas basé sur le Coran, ça n'existe pas. Tous les awarad sont basés sur le Coran, sans exception. Un wird qui n'est pas basé sur le Coran, ça n'existe pas. Il faut que les gens sortent ça de leur tête aussi, ça n'existe pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما on va trouver salatu ala nabi dans tous les awarad وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله عنده وأعظم أجره واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ça n'existe pas de awarad qui sont pas basés sur le Coran. Les awarad sont dans le Coran. Les horaires des awarad sont dans le Coran. Les formules que l'on doit dire sont dans le Coran, etc. Ça n'existe pas un wir qui n'est pas basé sur le Coran. Je ne sais pas. Fa'alam anna Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Je ne sais pas. Comment j'explique? On avait tenté de présenter une question la semaine dernière qui renvoyait justement au militantisme et tout ça. Je pense en grande partie c'est dû en fait à l'hypermatérialisme qui est rentré en Darul Islam, notamment par le biais des réformistes, qui pour une bonne partie étaient des francs-maçons. Non, mais en fait, les awarad que tu. Un weird de Coran, comment dire, les hizb, dire des hizb de Coran, la plupart comment dire. Le fait de lire le Coran est dans. Il y a, je sais pas moi, dans le weird al-makhouz, ça fait partie des conditions, des conditions de validité de ton weird, de lire un minimum de Coran. J'ai plus tout en tête là. Je sais plus, il y a des turuq où on va te dire il y a un certain nombre de... En tout cas, bref, lire le Coran fait partie des awarad de base. La lecture du Coran en elle-même, ça fait partie des awarad de base. Basé que sur le Coran, c'est pas que c'est pas possible. C'est qu'en fait, le Coran, il se lit et il se pratique.
Quand Allah Ta'ala te dit Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, quelle est la part de salatu ala nabi dans ta journée? J'ai pas les détails sur le Coran dans la Tijaniya, il faudrait que je demande à des frères, mais si tu dis ça, ça doit être ça, ouais, effectivement. Je sais pas, chez nous, les mourides avec le Wurid Makhouz, faut que tu lises ouais, deux hizb et min par jour si tu maîtrises parfaitement, ou un minimum un ou deux. En gros, je connais pas de tariqa où t'as pas de lecture de Coran, à part si t'es un incapable. Si t'es un incapable, t'es excusé. Mais si t'es pas, si t'es capable, c'est obligatoire dans toute tourouque. En fait, ça me laisse perplexe la question comme elle est formulée. C'est parce que souvent, et je pense, je sais pas si toi tu le dis, mais ça sous-entend que oui, il faut lire que le Coran. En fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que le Coran se lit et se pratique. Il y a des versets. Si tu lis le Coran toute la journée, tu fais que ça, tu as délaissé la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que le Coran te l'ordonne. Comment tu corriges ça? Il te faut un word de salatu ala nabi. C'est obligatoire. C'est-à-dire que là, je ne parle pas d'un point de vue légal, fiqh et tout ça. Non, je parle d'un point de vue de tasawuf. Prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation au-delà de l'obligation. Les gens n'ont pas idée de l'obligation de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tasawuf. Vous rendez pas compte. C'est l'un des seuls dhikr où on te dit qu'il peut compenser la présence d'un cher rabbi. Pour que vous compreniez un petit peu l'importance de salatu ala nabi. Wa alaykoum salam. Alors, pour Jamaatou Tablir, il y a deux choses. Il y a des mashaykhs à qui on fait bay'a. C'est le cas, oui. Mais c'est pas. C'est en temps, c'est dans l'optique d'une tariqa, de chemina avec un cheikh. Bon, on m'a décrit des situations où un cheikh, dont je n'arrive pas à me rappeler le nom, prenait une corde, l'envoyait au milieu d'une foule, et chaque personne tenait la corde pour faire bay'a. Donc c'est vraiment. Il y a vraiment un cheminement spirituel tasawuf classique. Mais vraiment classique. Maintenant, l'effort de Jama'atou Tablir, voilà un Amel al-Hassan, c'est pas. Comment dirais-je? C'est pas spécifique à une tariqa ou un madhhab. Alors en fonction du madhhab, il y a deux, trois trucs à revoir. Par exemple, tu peux pas, chez les malikis, prendre l'intention de l'i'tikaf comme certains le font. Comme souvent on conseille chez les tabirs, quand tu sors, quand tu fais le khourouj, on te dit d'avoir l'intention de l'i'tikaf. Chez les malikis, c'est pas possible. Tu peux pas avoir l'intention de l'i'tikaf. Par exemple, c'est parce que c'est pas conforme en fait à l'école. Par contre, tu peux avoir l'intention de, j'ai oublié le nom en fait. Il y a une adoration particulière qui est pas l'irtikaf. Qui est pas l'irtikaf. Bon, j'arrive pas à me rappeler le nom, qui est quand tu prends l'intention de rester dans la mosquée. Qui a des conditions beaucoup plus souples que l'irtikaf. En fait, après la bay'a, le truc qui a été retiré de ce que j'ai compris, c'est pas la baïa en tant que telle, c'est. On demande pas à quelqu'un qui veut sortir en khourouj de faire baïa. Parce que c'est pas nécessaire. Maintenant, tu peux avoir une tariqa et sortir avec les frères. Parce que c'est pas la même chose. La seule question qui va se poser, c'est la question de l'organisation de ton temps. Après, il y a certains frères qui m'ont dit explicitement que il y a certains mashaykhs qui donnaient des conseils dans le cadre de Jama'atou Tablir, par exemple la Muzakkara, le fait de l'Imania, voilà, le fait de parler d'Allah avec les individus, de le faire un certain nombre de fois par jour, et ça c'est un wird en fait. Mais Jama'atou Tablir, l'objectif, c'est pas un objectif
Il y a cette idée de Joe, de travailler sur soi. Ça, la question se pose pas. C'est que c'est pas spécifique. Mais pour que les gens aient une idée, là, chez nous, les Mourides, il y a une jonction qui est en train de se faire avec l'établir qui va être intéressante. On en parlera peut-être d'ici 5 ans. Là, on n'en est pas encore là, mais d'ici peut-être 5 ans, un truc comme ça. Mais nous, il y a des fatwas claires chez les Mourides. Où c'est très positif, etc. Chez l'établir, oui, bien sûr. En fait, c'est que le problème, c'est en France, établir a été vu comme une finalité, ce qui n'est pas le cas là-bas. Tu vas voir leur mashir, c'est pas ça. Établir en soi, c'est pas une finalité, c'est un travail, c'est un effort, tu fais la khidma, des choses comme ça, mais c'est pas une finalité. La finalité, elle est ailleurs. Le Cheikh Ilyas Al-Kandahlaoui, toutes les tours qui étaient présentes dans la région, là, c'est-à-dire au sens de Wurd, comme on l'a dit tout à l'heure, il les avait tous et il les transmettait. En fait, c'est plus une méthode de da'wa au sens où ramener la oumma sur un droit chemin. Après, de cette méthode-là, on peut partir sur une méthode de da'wa tout court, de ramener les gens à l'islam. Et de base, en fait, de base, jamais à t'établir, l'objectif, c'est de prendre les musulmans, de les ramener à la mosquée pour qu'ils retournent à la religion. Parce qu'il y avait des situations compliquées, etc. Ce qu'on fait en France. C'est pas ce qui se passait là-bas. C'est-à-dire qu'on fait en France que les gens s'assoient, lisent. Comment ça s'appelle? Riyad al-Salihin. Maintenant, la personne qui te le lit, c'est pas quelqu'un qui. C'est pas un alim. Mais chez eux, c'est un alim. Les gens qui parlent, c'est les ulémas. Toi, tu fais la khidma. Avant de pouvoir parler, faut que tu aies atteint un certain degré, quoi. Walilal alhamd. J'espère que ça a répondu à la question. Quoi, bref, il y a un truc qui est clair, c'est que la personne qui veut s'initier au tasawuf, qu'elle fasse 2 raka'a dans la nuit, elle demande à Allah Ta'ala de le guider. La guider, c'est un package. Dedans, il y a le cheikh. Vous n'avez pas besoin de faire dua pour le cheikh. D'accord? Allah, il va vous guider vers un cheikh, forcément. Ce que je viens de dire, comment je l'ai formulé, je reformule ce qu'a dit Cheikh Abdelkader Al-Jilani, où il dit de faire dua, d'être guidé tout simplement. Il dit pas chercher un cheikh. Être guidé implique d'être guidé vers un cheikh. Parce que c'est le cheikh qui donne. C'est pas, du moins, Allah Ta'ala donne par le biais du cheikh. C'est choquant, oui. Parce que maintenant, ce genre de vocabulaire ou de formulation ou de jargon n'est plus utilisé. Mais bon, vous savez, on est passé une étape où on ne considère plus les gens qui ne comprennent pas ce genre de choses. Ouais, effectivement. Mais ça, c'est des trucs qui vont sortir là. Alhamdoulilah. Pour l'instant, c'est pas que c'est caché, mais c'est juste que ça en marche. Alors, comme ça là, moi. Disons que. Un éminent parmi les éminents de chez nous a envoyé l'un de ses fils ou de ses petits-fils se faire. Formés là-bas, chez eux, au Pakistan. Et donc ça va donner vraiment quelque chose qui. Parce qu'il y a un problème qu'on est mourides en France, et ça c'est spécifique à nous, c'est de faire la darwa en France, la khidma du cheikh correctement. Et on rencontre en fait des difficultés des fois qui échappent à notre entendement, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et souvent, quand on discute avec certaines personnes, il résume la problématique au fait que ça soit trop wolofisé, notamment au niveau des termes, parce qu'en fait c'est vrai qu'au Sénégal il y a une pertinence à wolofiser tous les termes. Par exemple, djebloux c'est béra. Si on utilise les termes arabes en milieu mouride, wolof, pour exprimer certaines idées de la tariqa, par exemple l'idée de muqaddam, l'idée de zawiya, etc.
Moi, j'ai déjà fait l'expérience, vous allez vous faire tomber dessus. Ouais, mais non, on n'est pas des Tidjanes. Non, mais en fait, c'est pas une question de Tidjanes ou de Naqshbandi ou la Chadhili, ça n'a rien à voir, c'est les termes arabes. Dara, c'est Zawiya. Ouais, c'est tout, c'est comme ça. On dit Dara parce que, en fait, c'est plus l'habitude de Wolof. Mais Dara, c'est Zawiya. C'est une Zawiya. Une Dara, c'est une Zawiya. Ou une Khalqa, comme disent plus vers chez les Perses, etc. etc. C'est un lieu d'éducation. Une Dara, c'est un lieu d'éducation. C'est une Zawiya. Il y a aussi les Dara Madrasa. Il y a des Dara, les Ndongo Dara, plus dans le sens Madrasa. Mais voilà. Et les Zawiya tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est dans tout le monde maghrébi, c'est pareil, c'est pas un truc de Tidjane. Khalqa, ouais. Par exemple, la manière dont nous on pratique l'écoute des qasidas telles qu'on les fait, soit quand c'est une lecture en courrelle ou que c'est un rajaz, c'est des samars, c'est des séances de samars. Donc, s'asseoir, on écoute quelqu'un en train de réciter, de psalmoder, psalmod, ajib, psalmodier, c'est comme ça qu'on dit en français, enfin bref, de chanter, de réciter en fait les qasidas. C'est une pratique de soufi qui date depuis Salaf Salih. Du temps de Salaf Salih, les alaqat zikr, certaines hadaras telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui, c'était quasiment pas répandu. Je crois même que ça n'existait pas. Par contre, les samars, comme nous on fait les mourides, si, il y en avait. C'était très 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 répandu. Et d'ailleurs, pour les mourides qui connaissent, vous avez déjà vu des baïfals ou même des mourides en pleine séance de samar, ils se lèvent, ils se disent, psalmodie, ouais, déclamer la. Je pense que tout mourid du commun a vu lors d'un maghal quelqu'un qui se lève et qui, comme s'il avait des robinets dans les yeux quand il pleure, et qui court, et puis il met un coup de tête contre un mur, et puis t'as l'impression que le mur il va s'écrouler. Moi j'ai vu des gens dans des états, j'étais jeune, je dis, ah ouais, moi je veux pas être dans cet état-là. Mais c'est un truc, c'est commun. Et ça, ces états-là, justement, dans Kashful Mahjoub ou des livres comme ça, on vous parle de ces séances de Samar où les gens, en fait, sont dans des ahwal, comme ça. En fait, c'est chez nous, les mourides, on est vraiment en matière de tasawwuf, sur la manière d'être, de cheminer, on est vraiment sur la manière de qui précède la salaire. Mais de toute façon, Inch'Allah, je vais sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire ça. Premièrement, dans un premier temps, présenter Cheikh. Son cheminement et beaucoup de choses qu'il convient de savoir pour des francophones, des français, parce que c'est important pour nous de comprendre certaines situations qu'il a vécues, le contexte dans lequel il a vécu et en quoi ça nous est bénéfique de le savoir et d'avoir ça, de cheminer avec ça. Parce que Cheikh, vraiment, il y a énormément de choses à dire. Donc on parlera de lui, on parlera de Imam Charibala, etc. On parlera justement des Tchiddo, de toute cette histoire-là. Et dans une deuxième étape, on va présenter notre confrérie. Et l'organisation de notre confrérie qui est particulière. Il y a énormément de choses à dire, mais vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et les mourides le vivent. Mais j'ai entendu très peu de personnes le formuler, le formaliser, le théoriser. On a théorisé beaucoup de choses chez nous. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai quasiment pas entendu. Moi, j'en ai parlé avec parmi nos chouyours. Effectivement, on est d'accord qu'effectivement, c'est bien ça. Mais sur l'organisation de la confrérie, c'est particulier. On a une organisation qui est vraiment très, très particulière. On ne s'en rend pas compte. C'est quelque chose d'extraordinaire. Souvent, Cheikh Abd al-Fahmi le résume en « on a un khalife qui organise tout ». Ça résume en une phrase ce qu'on peut mettre dans un livre. L'organisation des moulides, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On n'a même pas idée de qu'est-ce que Cheikh a fait. Le legs qu'on a de Cheikh et qu'est-ce qu'il y a derrière, on n'a même pas idée. Les moulides, je pense que si on saurait, ça nous découragerait de continuer à faire la khidma. Vraiment. Enfin, que j'exagère parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu fous, qui sont prêts à partir dans. Surtout les baïfals, les gens comme ça, là. Mais vraiment, c'est le poids, le taklif, la charge qu'on a sur les épaules, l'engagement que ça demande de comprendre, en fait, justement, c'est quoi, et j'utilise bien le terme confrérie et par le terme tariqa quand je parle de nous, volontairement, parce qu'on a une organisation qui est vraiment particulière.
qui est vraiment exceptionnel. C'est pas une organisation pyramidale, c'est une organisation qui est la place d'une Deagle, etc., etc. C'est vraiment quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose que je vais présenter et qui sera bénéfique pour beaucoup de personnes, pour l'organisation de l'islam en France. Je parle même pas juste les mourides, non, l'organisation de l'islam en France. Comprendre comment nous, les mourides, on fonctionne, ça va donner des voies de possibilités de compréhension, de s'organiser pour les musulmans en France. Mais vraiment, j'ai fait un post la dernière fois, on m'a fait un petit peu de reproche, je vous dis, je piquais un petit peu les services, les renseignements généraux. C'est pas ça, c'est juste un état de lieu, dire que effectivement, notre façon de fonctionner bah, échappe à un certain contrôle. Pourquoi? Parce que justement, il y a des petits conflits internes, mais c'est pas ça qu'on met en avant, mais c'est vraiment, on a une manière de fonctionner qui est extraordinaire. Si on raconte l'histoire de ma dara, ma zaouïa à moi, que je suis attaché depuis 20 ans, qui est la dara Taverny, bah, Souleymane, il m'a vu grandir depuis que j'ai 16 ans. Mais les frères, vous n'avez pas aidé. Le bâtiment, quand on l'a reçu, on nous a dit, mais vous n'arrivez pas à réussir à tenir ça. Ça coûte trop d'argent. Là, on est encore debout. La maison, elle fonctionne. Il y a peut-être, il n'y a pas si longtemps que ça, on demandait de l'argent aux gens pour faire deux, trois travaux. Mais on demande pas d'argent aux gens quand on a besoin de faire des trucs là-bas. Tu as trois, quatre baïfals qui arrivent. Ils font des. C'est incroyable ce qui se passe chez nous. Moi, les gens, venez à Taverny. Vous allez voir des choses, vous n'avez pas aidé, hein. Venez, bismillah, c'est chez moi, je vous invite, c'est ma maison. Pour les Mourabbis, ouais, ils sont au Sénégal. Et même ceux qui sont au Sénégal, ils sont bien cachés. Pour les trouver, il faut aller les chercher dans des coins, là, comme ça, là. C'est pas forcément évident. Franchement, Taverny, wallah, j'invite tout le monde, venez, vous allez voir des choses, vous allez dire, ah ouais, quand même, ça existe en France. Déjà, juste mettez dans votre tête que c'est 3000 mètres carrés qui ont été achetés. 3000 mètres carrés qui ont été achetés par Cheikh Mohamed Salih, Serin Saliou, Ibn Cheikh Al Khadim, cash money. Il a donné 3 millions de francs comme ça, il a dit ça. Il a pris. Il a jamais mis ses pieds en France. Déjà, il sortait pas de Touba de base, donc. Il n'a jamais mis ses pieds en France, il n'a même pas mis un orteil là-bas. À part Rouhani. Rouhania, ouais, on sait qu'il est venu. Mais physiquement, il n'est jamais venu. Ah ben, Souleymane, c'est quelque chose, hein. C'est une force de la nature. Hein. Il est calme, posé. Pourtant, même moi, le premier, je vais casser les pieds. Hein. Je ne sais même pas comment il arrive à supporter des gens comme nous. Vraiment. Moi, par exemple, un mec comme moi, je suis un emmerdeur première, un petit antillais, un mec comme moi, comment je suis chiant. Je sais pas comment elle arrive à me supporter. Je me rappelle, ouais, j'avais pas pu venir. Ouais. Mais en tout cas, ouais, que les gens viennent à Taverny, vous allez voir quelque chose. Et quand on va expliquer les mourides, comment on est organisé et tout ça, vous allez voir Taverny, vous allez dire, ah ouais, d'accord. Bon, là, je vous jure, on sauve l'islam en France, l'organisation, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'organisation, on prend les rênes, c'est autre chose. Hein. Ouais, bah, Isleyman, ouais, tu. Non, t'étais pas là, Hassan, quand il était au Sénégal, quand vous êtes passé. Il était au Sénégal quand vous êtes passé. Vous n'avez pas le temps de voir. De voir. Walilal Hams, s'il n'y a pas d'autres questions. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا أكرم في التلاوة وخيرا كثيرا منك والحلاوة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا يرفد وقرة عين لا تنقطع ومن رفقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة العلاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق حق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين